Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Moi, je le sais, je sais que tu es présent, puissance Dieu. Je sais que tu es. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Alléluia. Faiseur de miracles, je sais que tu es là. Puissance de Dieu. Je sais que tu es là. Alpha et Omega, je sais que tu es là. Saint-Esprit, mon paraclet, je sais que tu es. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Mandele Boshandara Baba. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme dans la paix, mon âme dans la paix, mon roi. Mon âme dans la paix, mon âme dans la paix, quand je sais que tu es là pour nous faire du bien. Moi je sais que tu es là. Tu es là pour nous faire du bien, Jéhovah. Moi je sais que tu es là. Tu es là pour nous apporter la joie, mon Jésus. Je sais que tu es mon paraclet. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Ah, toi qui connais toutes choses, je sais que tu es. Toi qui détiens cette journée entre tes mains, je sais que tu es présent pour nous faire du bien. Ah, je sais que tu es. Mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, mon Dieu. Mon esprit t'adore ce matin. Mon esprit t'adore ce matin, car je sais que tu es là. Alléluia. Karaba shandaraba koria ndereberi baba. Mandelebo shandarama koria baba. Nous savons que tu es là. Tu es vivant et tu es réel. Sois glorifié et exalté. Sois magnifié, agneau de Dieu, sois glorifié. Merci Père, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour le souffle de vie de cette journée. Que ton nom soit glorifié et exalté, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à vous ce matin. Bien-aimés, bonjour. Je sais que vous êtes dans la joie comme moi. Moi, je suis dans la joie parce que mon paraclet est avec moi. Le faiseur de miracles est avec moi. Mon Jésus, mon amoureux est avec moi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés à un week-end excellent, un merveilleux week-end. Je voulais apporter une parole de Dieu ce matin qui va nous donner encore envie de continuer à servir ce grand Dieu. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, c'est la pluie de bénédiction que Dieu est sur le point de relâcher maintenant sur nos vies. La pluie de bénédiction. Le Seigneur est sur le point de relâcher une pluie de bénédiction dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, toi qui es en train de me dire maintenant, amen, une pluie de bénédiction, la bénédiction financière, la bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction sanitaire. L'Éternel le relâche sur nos vies maintenant, au nom puissant de Jésus. Les prières qui ont été faites depuis des années et qui n'ont pas eu de réponse, en cette merveilleuse journée, l'Éternel est sur le point de relâcher l'exaucement de ses prières, dans le nom puissant de Jésus. Deutéronome 28, le verset 3 dit: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Ça, ça veut dire que partout où tu vas te trouver dans cette journée, la bénédiction de Dieu va s'attacher à toi. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entraves, le fruit de ton sol,
le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche sera bénie. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept autres chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le champ, il te bénira dans le pays, il te bénira dans ta maison, il te bénira dans la rue, il te bénira au marché, dans les supermarchés, tu seras béni. Partout où tu vas te trouver, tu seras béni. L'Éternel des armées est avec toi. Donc nous allons prier. Seigneur, voici ta parole ce matin dans Deutéronome 28, le verset 3 jusqu'au verset 9. Que cette parole s'accomplisse ce matin dans ma vie. Papa, tu as dit au verset 5 que ma corbeille sera bénie. Tu as dit au verset 6 que je serai béni à mon départ et à mon retour. Je déclare que mon départ et mon retour, mon arrivée est béni dans le nom de Jésus. Que la pluie de la bénédiction de l'Éternel des armées arrose mes entreprises. Papa, arrose mes entreprises. Les projets que j'ai dans le cœur qui n'ont même pas vu le jour, arrose ces projets. Arrose ma vie. Arrose mon foyer. Arrose mon quartier à cause de ton nom qui est invoqué dans ma vie. Arrose la vie de mes enfants. Arrose que la pluie de la bénédiction dans tous les domaines, Seigneur mon Dieu, nous arrose ce matin au nom de Jésus. Que cette pluie soit libérée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous libérons la pluie de l'abondance. La pluie de l'abondance financière, matérielle, spirituelle, physique, sanitaire, dans tous les domaines. Que cela soit libéré ce matin au nom puissant de Jésus. Nous le libérons par la puissance du sang de Jésus. Nous le libérons par la puissance du sang de Jésus. Nous le libérons par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit que l'Éternel, le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Même si tu es vendeuse de cacahuètes, la bénédiction de Dieu sera avec toi. L'Éternel des armées va amener des clients que tu n'as même pas espéré en cette journée, dans le nom de Jésus. Là où tu es en train de faire des affaires, je déclare que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. La bénédiction de l'Éternel des armées, qui n'apporte pas de chagrin, qui n'apporte pas de douleur, qui n'apporte pas de honte, que cela s'attache à toi et à moi ce matin au nom de Jésus. Cette bénédiction qui élève, s'attache à nous. Que nos greniers, que nos maisons soient bénies. Et je déclare que l'ennemi viendra contre toi dans le nom de Jésus par un seul chemin. Et en cette saison, je déclare qu'ils vont s'enfuir par cette chemin dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel ordonnera la bénédiction avec toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Je le déclare, tu auras la victoire sur tes ennemis. Quiconque veut boire ton sang en cette saison, il boira son propre sang. Quiconque veut manger ta chair, selon la parole de Dieu déclarée, ils mangeront leur propre chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque veut s'amuser avec ton nom, oui, l'Éternel des armées, là, il ressentira la main de Dieu. Mais cette main qui s'est manifestée en Égypte se lèvera en ta faveur. Il se manifestera dans ta famille, dans ta nation, dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Quiconque a fait le vœu que tu n'auras pas la paix dans ton lieu de travail en cette saison, je déclare que cette personne n'aura pas la paix. Parce que le livre de Galates dit que quiconque nous trouble sera troublé. Je relâche maintenant les gens de Dieu d'aller troubler ces personnes qui veulent nous troubler au nom de Jésus. Toute personne qui veut nous troubler en cette saison, je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'ils seront troublés, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées combattra en notre faveur. Le Dieu des cieux combattra pour nous dans le nom de Jésus. La pluie de la bénédiction nous arrosera au nom de Jésus. Dans nos familles, au nom de Jésus. Cette famille qui est en train de passer par des moments durs, je te déclare en cette saison que la pluie de l'abondance, la pluie de la bénédiction arrose maintenant ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons toute
toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 12 dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras point. Le verset 12 de Deutéronome 28. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Tu vas dire, oh Père, ouvre ton bon trésor pour moi. Le bon trésor, le ciel pour t'envoyer sa pluie. Papa, ouvre ton bon trésor dans le nom de Jésus. Papa, le financement que je cherche pour mes projets, que le ciel s'ouvre et que le bon trésor de l'Éternel soit ouvert sur ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel des armées nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus, que cette bénédiction t'attache à nous, que l'Éternel multiplie sa faveur à nous et à nos enfants, dans le nom de Jésus. Cette grâce qui enlève un homme de la poussière pour le placer sur le trône, que cela soit notre portion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit d'humiliation soit brisé dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit d'humiliation, accusation, je le brise par la puissance du Saint-Esprit. Quiconque va prendre nos noms pour les amener quelque part, pour que nous soyons humiliés. Je déclare que cette personne sera humiliée à notre place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel des armées nous bénisse. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Un excellent week-end à chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu se manifeste dans nos familles. Que nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur soient gagnées. Nous prions pour le salut de leur âme. Nous prions pour le salut de l'âme de plusieurs dans nos nations, dans nos familles, dans nos quartiers. Que les gens te connaissent comme Seigneur et Sauveur au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, sois béni, sois magnifié et exalté. Et nous disons un grand amen à cette prière dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Que sa gloire se manifeste dans nos vies. Que la main de Dieu nous garde pendant ce week-end. Excellent week-end à chacun de vous et à chacune de vous dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus-Christ de Nazareth vous aime. Au nom de Jésus, amen.